S'il y a bien une moto qui a traversé les âges, les époques, les frontières, les nationalités, c'est la Yamaha R1. Cette machine légendaire, mais éponyme, du constructeur au diapason, a marqué des centaines de milliers, peut-être même des millions de motards. Et on va être relativement honnête, hein, on a tous eu un petit pincement au cœur quand on a appris que la R1 allait être arrêtée de commercialiser, puisque tout simplement les normes sont passées par là, hein, les normes de pollution Euro 5 et Euro 5 Plus, et vous savez que c'est extrêmement compliqué, hein, de maintenir des machines comme ça dans la course, mais il semblerait que Yamaha souhaitait quand même la mettre encore une fois sur la ligne de départ, donc dans une version un peu particulière dont je vais vous parler. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro consacrée eh bien, à l'actualité du monde de la moto qui nous passionne tant. Si vous ne connaissez pas la Roadsters TV, je vais vraiment vous inviter à vous abonner à cette chaîne. On fait des essais, hein, bien évidemment, de machines, mais aussi des guides d'achat, des tops, et puis un petit peu d'actualité, ce qui ne fait pas de mal. On a fait pas mal de Moto Bistro ces derniers temps puisque j'ai couvert notamment le lancement, l'annonce de la nouvelle Ducati Multistrada V4 2025. Et aujourd'hui j'ai un menu assez riche à vous présenter avec bien évidemment cette R1 particulière dont on va parler en fin d'émission, donc restez bien jusqu'au bout. Une RS V4 un petit peu fofolle, encore une édition très très limitée et très impressionnante que Aprilia nous a concoctée. On va parler aussi d'un constructeur français qui annonce des machines dans des catégories dans lesquelles il n'était pas encore arrivé. Et eh bien nous allons commencer le premier item du menu d'aujourd'hui, de ce Moto Bistro, par parler de Kawasaki, hein, le constructeur japonais, qui a annoncé une nouvelle Z500, hein, le Roadster un petit peu mid-size, mais mid-size un petit peu moins, c'est-à-dire que vraiment la Z650 c'est ce qu'on appelait le roadster mid-size par définition, et là on est sur une catégorie un tout petit peu en dessous qui est vraiment adaptée pour les permis A2, et donc eh bien cette fameuse version spéciale de la Z500, eh bien c'est la Z500 Tsugomi Edition. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le Tsugomi, c'est une sorte de philosophie que Kawasaki a lancée en 2014 avec sa Z1000 Tsugomi, hein, qui incarne en fait une sorte de concept, de l'aura, une présence puissante et intimidante qui inspire à la fois le respect et la crainte, hein, c'est écrit juste ici, il décrit une force ou une énergie impressionnante émanant d'un être ou d'un objet comme celle d'un prédateur prêt à bondir. Autant vous dire que c'est tout un programme, et donc eh bien Kawasaki ont annoncé une nouvelle livrée, on va dire, hein, pour la Z500, il n'y a pas de modification sur la machine. Je vais quand même vous montrer quelques petites images qu'on a juste ici, hein, de ces nouvelles Z500, dont vous voyez que on conserve les lignes habituelles, mais on va avoir eh bien des petits stickers qui vont comme ça la décorer, l'habiller, lui donner un air peut-être un petit peu plus menaçant. Selon Kawasaki, ça rehausse les lignes de la machine, ça lui donne eh bien un côté un petit peu plus musculeux, un petit peu plus agressif. On a véritablement eh bien ces images qui sont montrées ici, qui montrent bien le côté un petit peu même zébré de la machine, hein, ce qui est plutôt curieux, hein, pour une moto qui se veut incarner un prédateur, hein, d'être assimilé comme ça à un zèbre. Mais bon, toujours est-il que c'est sympa de voir eh bien Kawasaki continuer à pousser comme ça les petits concepts sur ces machines qui sont de plus en plus populaires, hein. On va être honnête, la catégorie des 400-500 cm3, ça se développe beaucoup parce qu'il y a énormément de motards qui ne souhaitent pas nécessairement acheter une machine eh bien bridée, hein, une machine comme ça restreinte pendant les deux premières années du permis A2. Ils veulent quelque chose qu'ils puissent exploiter à 100%. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est une édition exclusive limitée à 200 exemplaires dans les deux couleurs, hein, dans couleur rouge et verte. Et donc, elle sera au tarif de 6 799 €, soit quand même une hausse de 800 € par rapport à la version standard. Est-ce que les motards seront eh bien prêts à dépenser autant, ou est-ce que eh bien un jeu de stickers sur une machine dans une catégorie de cylindrée un peu plus faible n'a pas forcément marché? Eh bien ça, on verra. Maintenant, nous allons évoquer un constructeur peu représenté, hein, on va être honnête, puisqu'il s'agit de Mash, une marque française, hein, depuis maintenant quelques années. Mash, c'est une marque française dont je vais vous montrer tout de suite le site internet, qui ont par habitude, hein, de faire des motos plutôt réduites en cylindrée, hein. Vous voyez qu'ici, on a de la 50cc, de la 400. Quand même un petit trail 650cc, et eh bien Mash ont annoncé une nouvelle machine 750 cm3, hein, il s'agit de la FR 750, hein, dont voici eh bien un aperçu. Alors je trouve que le design est quand même assez sympa, regardez ici cette vue trois quarts face.
on a une machine qui a une proposition qui rappelle un petit peu, sans aucun doute, Moto Morini, mais je trouve quand même qu'elle a son petit look, hein. Je l'assimile pas nécessairement à une Z650, une MT-07 ou une Hornet. Elle peut avoir sa place dans le marché, hein. Vous voyez que c'est en plus une moto qui est indiquée comme étant à 7 534 € en pack de mise en circulation, donc j'imagine avec les frais de mise à la route, la carte grise, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend sur cette moto ? Eh bien que c'est un roadster mid-size, moderne, réalisé en partenariat avec l'usine, alors je ne sais pas si c'est Jeudi ou Jedi Motor, si c'est Jedi Motor c'est quand même assez incroyable, et c'est la première motomâche équipée d'un bicylindre de 750cc, bicylindre qui a été créé avec l'ingénieur Sutter, hein, que vous devez sans doute connaître, la Sutter MMX500, hein, moto impressionnante. Et donc on apprend que cette machine aura une puissance de 74 chevaux, un couple de 70 Nm, et avec d'excellentes performances, équipée en Pirelli Angel GT, autant pour moi, excusez-moi, suspension Kayaba et d'un freinage Brembo contrôlé par une centrale ABS Bosch, on peut voir déjà que ici, au niveau de l'équipement de la machine, on ne se moque pas vraiment de nous, hein. On est quand même sur un truc qui semble assez sympathique. Bon, je vous montre quand même les dimensions, hein, puisque la moto fait 213 kg, on n'est pas véritablement sur la machine la plus légère qu'on puisse trouver. Toujours est-il que je trouve ça vraiment sympa, hein, pour Mach de continuer à se développer. On a comme ça des alternatives aux très gros constructeurs, aux grands mastodontes de l'industrie. Et ma foi, c'est vraiment vraiment sympa de voir que... de petites marques, des marques un petit peu plus confidentielles, se développent. Si jamais ils sont présents au salon du 2 roues de Lyon ou bien encore à l'ECMA, auquel je vais être présent dans quelques semaines, bien évidemment, je couvrirai ça pour vous et j'essaierai de vous parler un petit peu plus de cette FR750. On croise les doigts en tout cas pour que la destinée de cette machine soit aussi belle que l'histoire de Mach ces dernières années, qui continue quand même à se développer de façon assez intéressante. Alors, maintenant, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu plus énervé, hein, qui sent un peu plus les vibreurs, hein, le circuit. Je vais pas passer par quatre chemins. Et vous connaissez sans aucun doute l'amour qu'a Aprilia pour les hypersportives, hein. La RSV4, c'est un secret pour personne. C'est une balle atomique. Et il semblerait que Aprilia a décidé de frapper encore un grand coup avec une nouvelle version de leur RSV4, la Extrema, hein, Extrema. On va l'appeler comme ça, un RSV4X Extrema. Regardez, une nouvelle édition de l'hypersportive, alors un petit peu particulière bien évidemment, plutôt destinée au circuit. Allons faire un petit tour du côté du communiqué de presse. Aprilia Racing a créé la RSV4 la plus avancée et la plus performante à ce jour, présentant le sommet de la technologie de la division Noah Racing, un véritable pont vers le moto GP. Sachant qu'effectivement, Aprilia avait... eu déjà des expériences comme ça avec des éditions un petit peu particulières de leur hypersportive, mais même de la Tuono, hein, du Roadster, avec la RSV4X, puis on a eu la RSV430, et donc là, on va revenir sur les performances qui sont quand même assez incroyables, puisque la machine fait 230 chevaux et 165 kg, soit aujourd'hui une des motos les plus performantes du monde, hein. Elle est livrée en édition limitée de 30 exemplaires numérotés, autant vous dire que ça va être compliqué d'en avoir une pour marquer l'anniversaire du premier titre mondial 250 remporté par Max Biaggi en 1994, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, regardez cette machine qui est quand même incroyable. C'est le quatrième chapitre, hein, du projet unique qui a débuté en 2019 avec la RSV4X, suivi de la Tuono X. Hein, je vous le rappelle, la Tuono X, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable puisque c'était un roadster qui sortait 230 chevaux, hein. Ils avaient pété un câble, littéralement, ils avaient fait une Tuono incroyable, alors destinée à la piste uniquement, mais si j'avais pu mettre mes mains dessus à l'époque, croyez-moi que je ne me serais pas privé. Bon, toujours est-il qu'ensuite, on a eu la RSV430, hein, plus avancée, et maintenant, on est sur cette RSV4X Extrema, vraiment très très sympathique, avec un design assez unique, hein. Vous voyez ici que la machine, c'est la seule disponible à la vente au public équipée d'un système aérodynamique à effet de sol. C'est une technologie entièrement développée et brevetée par Aprilia Racing qui était auparavant exclusive à la RSGP24 qui participe en MotoGP. Donc de quoi il en retourne, ben, la forme spécifique du carénage moulé sur les flancs exploite la pression de l'air entre le sol et la moto dans les virages, augmentant ainsi l'adhérence. Et ça, vraiment, pour le coup, si vous avez envie de vous faire plaisir avec
ni plus ni moins qu'une réplique de MotoGP, hein, parce que là on est vraiment sur une machine qui colle au plus près à ce qu'une moto de course eh bien, serait. Si vous réussissez à mettre la main dessus, eh bien, vous aurez de la chance. En tout cas, je ne sais pas si le prix avait été annoncé sur cette machine, je pense qu'elle n'avait pas forcément été montrée. Je pense que ça va être compliqué hein, de réussir à la trouver. Si par contre, ah si si, je l'ai quand même, attendez, je vais vous montrer. Chacune des 30 motos Aprilia RSV4 X Extrema vendues au prix de 80 000 euros hors TVA sera disponible uniquement à la réservation à partir de septembre sur factoryworksaprilia.com. Alors je tiens quand même à dire que 80 000 euros pour une machine qui se veut être une sorte de compé client vraiment ultra ultra proche d'une machine de course, ce n'est pas si cher payé que ça, puisque je vous rappelle qu'il y a quelques années de ça, Honda avait sorti une RCV213 qui coûtait la bagatelle de 200 000 euros. Alors peut-être qu'au niveau des caractéristiques, la machine était quand même encore bien plus proche d'une moto de course. Toujours est-il que là, vu les équipements, vu les performances, 230 chevaux pour 165 kg, je pense que vous m'accorderez que oui, effectivement, ça reste quand même du très très proche de ce que eh bien, une moto de course peut faire. Bon voilà. Maintenant, nous allons évoquer bien évidemment le gros sujet de cette émission, puisque c'est pour ça que vous êtes venus, bande de petits canailloux. La R1 n'est pas morte, les amis. La Yamaha R1 n'est pas morte. Non, en effet, Yamaha souhaite lui donner une sorte de chant du cygne, de baroud d'honneur, en présentant une nouvelle R1, un peu particulière, et je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de la Yamaha R1 Race. Donc voici le communiqué de presse de Yamaha. En 1955, Yamaha participait à sa première compétition quelques semaines après la création de l'entreprise Yamaha Motor. La YK1, le tout premier modèle de moto de Yamaha, remporta la victoire lors de sa première participation à la course du Mont Fuji. Et depuis, la course est profondément inscrite dans l'ADN de Yamaha. Et ça, c'est bien quelque chose qu'on peut attribué à Yamaha, hein, avec ses nombreux titres et puis tous les pilotes d'exception hein, qui ont composé l'histoire eh bien, de la marque. Et effectivement, eh bien, ils ont créé un nouveau modèle, donc on va regarder un petit peu les caractéristiques. C'est pourquoi l'avenir et le développement de la R1 seront entièrement axés sur la course et l'utilisation sur piste en Europe. Donc effectivement, la R1 disparaît du catalogue commercial pour la route. Et la R1 Race 2025 incarne cet engagement. Elle est encore plus proche de la YZR M1 de Grand Prix, hein, avec son esthétique et la technologie. On a notamment des ailettes aérodynamiques. Hein. Regardez ici, on va tout de suite regarder. Mais vous voyez que la machine, elle a quand même des sacrés ailerons. D'ailleurs, j'en profite au passage parce qu'ils ont mis en ligne un configurateur qui permet un petit peu de la voir sous tous les angles. Et je vais vous le montrer tout de suite, ce configurateur. Comme ça, on va pouvoir regarder la moto eh bien, directement sous toutes ses coutures. Donc, vous voyez qu'on retrouve eh bien, cette forme iconique de la R1 qui est vraiment, vraiment très jolie. Hein. Ça reste une moto qui, encore aujourd'hui, est très actuelle. Ce feu arrière fait vraiment partie des plus beaux de la production, selon moi, avec ses deux ailettes. Elle est vraiment superbe. Hein. Là, toute de noir vêtue. Et vous voyez qu'on a ces deux ailettes en carbone, hein, ces deux ailerons qui vont vraiment plaquer la machine au sol. Au niveau des caractéristiques, bah, on va retrouver quelque chose de relativement habituel, c'est-à-dire toutes les caractéristiques qu'on avait déjà sur la machine. Alors, ils n'ont pas mis directement les performances, mais on retrouve un 4 cylindres en ligne, 998 cm3, avec bien évidemment un calage Big Bang hein, qui lui donne du coup un son qui ressemble à celui eh bien, d'un V4, hein, avec des dimensions qui sont quand même assez sympathiques, 201 kg tout plein fait pour une machine qui fait 200 chevaux. Et on a une fourche Kayaba de nouvelle génération hein, qui a été entièrement retravaillée et dispose désormais de réglages individuels pour l'amortissement en détente et en compression, avec chaque tube de fourche qui est désormais doté d'une valve conçue pour optimiser la pression dans le cylindre. Encore une fois, je pense qu'on va avoir quelque chose de très sympathique. Et petite chose assez intéressante, regardez bien ça. La Yamaha R1 se dote d'un freinage Brembo Stilema. Alors, moi ça me fait beaucoup rire parce que est-ce que c'est un aveu de faiblesse de la part de Yamaha de dire que les étriers maison, ça marchait très très bien, mais peut-être que finalement passer sur du Brembo à la fois pour l'image et pour la performance, eh bien c'est peut-être un peu mieux. En tout cas, c'est le chemin qu'a suivi la MT-09SP qui s'est dotée cette année d'étriers Brembo Stilema, donc les mêmes que ceux de la R1 Race. Moi, je trouve que c'est très très bien parce que ce sont vraiment des étriers sur lesquels on peut faire entièrement confiance, d'autant plus qu'à mon avis, la machine doit être dotée de mètres cylindres bien sympathiques et donc
Tous les composants routiers ont été supprimés. Bien évidemment, elle est livrée prête pour la piste, sans composants pour la route, ça réduit le poids, mais ça ajoute également de la commodité lorsque tu l'amènes dans la box des stands, prête à prendre la piste pour la première fois, et la selle passager est remplacée par un capot dédié, c'est ma foi assez normal. Donc voilà, on a ici, eh bien quand même une petite résurrection de cette moto emblématique, alors pas nécessairement pour eh bien, la route, mais en tout cas pour le circuit, ça fait toujours plaisir, je pense que pour ceux et celles d'entre vous qui adorent cette machine, eh bien, vous continuerez à la voir un petit peu comme ça, pas forcément sur nos routes, mais en tout cas sur le circuit pour les amateurs. Et eh bien, il y a aussi une version GYTR que je n'ai pas couvert, mais qui sera peu ou prou la même chose. Hein, si vous avez des spécificités, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. En tout cas, eh bien, cette vidéo, ce motobistro est terminée. N'hésitez pas à me dire hein, vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette résurrection de la R1 Race. Est-ce que c'est un petit coup marketing de la part de Yamaha ou est-ce qu'au contraire, c'est un vrai beau geste de maintenir cette légende hein, vraiment de l'hypersportivité eh bien, encore présente où que ce soit, hein, et pas nécessairement sur la route, mais au moins quelque part. Moi, je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait. On sait qu'il y a probablement une R9 hein, qui est eh bien, en train d'être préparée pour être commercialisée, puisqu'on sait qu'elle va être engagée en compétition très bientôt. Donc, eh bien, écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir retrouvé sur ce motobistro, parce que après le voyage au Portugal, eh bien, on a eu une petite pause dans les contenus, mais là, ça va revenir très très fort. Donc, n'hésitez pas à me donner votre soutien en vous abonnant à la chaîne, extrêmement important, et à me laisser un like et un commentaire, ça aide énormément au référencement de la vidéo, et ça me permet de savoir vos opinions sur eh bien, toutes ces actualités. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.